Bonjour. Hello, c'est Mina. Bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, 4 décembre, pour dessiner ensemble le motif du jour de notre calendrier de l'Avent en tangle. Il s'agit de Dixi, de la Cisetti d'Ebigno. Un motif très 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 simple. Vous allez voir, ça va couler de source. Enfin, ça va normalement être facile à dessiner. Donc, j'ai dessiné ma bordure avec mon gabarit. Et on va un petit peu tricher. Je vais vous inviter à... En fait, c'est pour faire quelque chose de joli. J'ai pas vraiment réfléchi, mais là, en voyant la déconstruction, alors, c'est pas joli, joli. Je m'explique. Je voulais faire un peu une forme étoilée, mais je me suis un peu trompée dans l'écartement ici. Du coup, je vais repasser au stylo pour que vous puissiez bien voir. Et puis, ça va être comme ça va être, hein. À peu près. No mistake. En fait, à l'origine, Dixi, on commence par une goutte. Et il va s'agir de faire une succession de gouttes. Pour remplir voyez de plusieurs formes à peu près. On va dire que c'est bon, c'est pas terrible terrible. Bon, ma ligne de départ, machin, c'est pas terrible. En fait, je vais prendre un petit bout de papier. J'aurais dû commencer comme ça, et en fait le but c'est de faire, de pas vraiment réfléchir, de dessiner des gouttes comme ça ensuite, et aussi en faisant attention que si je pars comme ça, ça va passer derrière. En fin de compte, c'est un enchevêtrement de petites feuilles, voyez. Donc, je pense que si vous avez peur de vous tromper, entraînez-vous un petit peu
sûre. Un brouillon, mais n'oubliez pas que il n'y a pas d'erreur. Ouais, ben c'est pas mon motif préféré, hein. Ou sinon, je n'ai vraiment pas le... le coup de main. Pour dessiner... Dixie. Mais c'est pas grave. Vous voyez, là, j'ai même dépassé mon truc. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que nous ayons dessiné au moins une fois. Ma première vue me plaisait bien, mais là, je vous avouerai que... Bon, allez, je dirais pas qu'il est en train de me saouler, mais le fait que... Je n'y arrive pas. Ça pas, c'est pas joli joli quoi, mais bon, c'est pas grave. No mistake. On apprend à accepter ses traits. Faut de l'entraînement, je pense. Bon, ma jolie forme du milieu, ben, elle a foiré, bien sûr. Mais c'est pas grave. Au moins, on aura essayé. Vous voyez? Donc, du coup, je vais effacer les traits inutiles ici. Voilà. Bon. Bof, bof, hein? Alors, du coup, est-ce que on va mettre ça en couleur ou pas? Je vais prendre ce que j'ai sur ma table avec un vert foncé ici, sans vraiment chercher en fait. Hein. Une couleur foncée, donc si vous restez dans le gris, bon, on va mettre ici. Et un petit peu de vert au-dessus. Bon, allez, c'est notre premier motif, pas forcément motif préféré du mois. Vous vous souvenez de Inktober Tangle quand je disais, bon, ben, c'est pas dans ma liste, dans mon top. Ce n'est pas dans mon top 10. Ce ne sera pas sur ma liste de tangle préféré. Bon, ben là, Dixie, clairement. Thank you.
ne sera pas dans mon top 10. Vous voyez, pas besoin de faire quelque chose de trop truc. Ouais. Bon. On dira next, hein? Alors, j'espère que vous aurez un peu plus de succès que moi avec Dixie. Au moins, je l'aurais essayé. Bonne journée. Bye bye.